Bien le bonjour, chers amis, c'est Learn to Play. Je suis en compagnie d'une certaine personne nommée Yanamu. Bonjour à tous les gens, bonjour les viewers de Learn to Play. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Ah bah écoute, j'espère qu'ils vont très bien. En tout cas, toi, tu es reparti pour sortir un tas de conneries. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur sort vraiment... Il a un débit de conneries à la seconde quand on joue à deux en multijoueur sur Civilization 5. C'est absolument magnifique. Bref. Passons. Bon, donc, alors, on est là pour une petite, petite aventure sur Civilization 5 en multijoueur. Alors, on a commencé, on vous a épargné le début, vu que sur la série en solo, bon, c'est un petit peu long pour commencer, c'est vrai. Oh, il y a des crabes. Et donc, on a commencé un petit peu. J'incarne les Guillaume d'Orange, donc le royaume des Pays-Bas. Tandis que notre cher Yalamu, lui... Tu joues quoi déjà? Je joue Boadicée, l'Empire celte. Gloire et succès éternel, ô reine guerrière, etc., etc. Ah, ça c'est de la civilisation qui déchire, hein. Bref. Voilà, et ça, donc voilà, on est sur une map, c'est quoi déjà une map anneau? C'est ça. Le principe c'est que bon, il y a une énorme parcelle d'océan en plein milieu. Bon, un anneau, vous savez quelle forme ça a, j'espère. Et en gros, on est contre, vous voyez, il y a 6 équipes de 2 joueurs, on est ensemble. Et on est en difficulté roi, donc ça risque d'être... Enfin, il va y avoir du challenge, quoi. Plein de challenges, il y a déjà... Nous sommes en couple, en effet, je le confirme. Oui, oui. Ce matin, d'ailleurs, j'étais encore dans le lead Learn to Play. Ah, en train de lui faire des choses absolument innommables. Non. Pas en vidéo, voyons. Et donc, il faut qu'ils sachent tout, alors. Non. On a déjà 2 villes chacun. On a une croissance voilà. À peu près... stable, ouais, équilibré. Équivalente. Voilà, ouais. On est sur une bonne parcelle de terre, on a plein de ressources. Vous voyez, moi, je niveau minerai, j'ai de l'or, de la pierre, du marbre, plein d'argent, du queval, beaucoup de queval, des vaches, un peu de fer ici, du poisson. Bref, voilà, on est vraiment sur une bonne parcelle de terre. Il y a pas mal de ressources à exploiter. On va se faire les couilles en or, même si c'est pas trop le cas pour l'instant. Moins 4. Voilà. Et on est pile au 50e tour, 1000 avant Jésus-Christ. On voilà. Est à l'ère classique. Tout on, à fait. On fait quoi d'ailleurs? Piège. Piège. Oui, okay. On finit le piège, oui. Piège et après on verra ce qu'on fait. Attends, comment je fais pour enlever? Oui, c'est bon. Bon, je propose de passer le tour, j'ai plus rien à faire. Ici, ils construisent une carrière. Ici, ils vont construire un camp pour avoir du queval. Là, j'ai construit Rotterdam, ma deuxième ville. Et ici, je fais face à des barbares. Bon, je peux passer le tour. C'est à toi. Non, c'est pas à toi, non, je suis con, puisqu'on joue en même temps. Oui, on joue en même temps, heureusement, oui. D'ailleurs, je vais faire un petit tour dans les doctrines. Alors, cher Yanamu m'a conseillé. Au début, je suis parti sur tradition et j'ai pris l'égalisme qui m'offre un bâtiment culturel gratuit, comme dans la série solo. Sauf que c'est vrai que liberté est plus intéressant au début. J'ai citoyenneté, ça augmente la vitesse de production des ouvriers. Et en plus, ça m'en fait un paraître un gratos. Et puis, j'ai fait république qui m'augmente la production. Voilà, et République, pour finir, on va faire le pouvoir collectif, ouais, pouvoir collectif. Qui fournit un colon gratuitement et qui augmente la vitesse de production de ces derniers de 50% dans la capitale. Ouais, il y a également représentation qui est importante dans la doctrine liberté, puisque chaque ville fondée, chaque ville fondée, le coût en culture des doctrines augmente 33% moins vite. Ça, c'est excellent, ça. Oui. Il faut faire liberté. Voilà. C'est très important. Alors ici, je fais face à des bifaces. Des bifaces qui me biflent la gueule. Les bifaces de l'enfer. Ouais, les bifaces de l'infini qui me déboîtent. Je vais m'extirper du combat parce que sinon je vais prendre cher. J'ai accès encore à une case de queval là, c'est bien. On a fini piège, on fait quoi? On part sur quoi? Je sais pas encore. Hein. T'as envie de partir sur quoi toi? Sachant qu'on fait les technologies à deux, donc c'est censé aller plus vite normalement, non? C'est ça, ouais, ça fait plus de science. Oui. Monnaie, non. Peut-être monnaie, ouais. Ou philosophie. Ou alors, attends, équitation, ça peut être sympa vu qu'on a pas mal de queval. Équitation, je te propose. Ou travail du fer, comme tu veux. Sachant que. Ouais, non, pas philosophie. Soit équitation, soit travail du fer. Tu choisis quoi, toi? Entre les toi deux. Qui, c'est toi qui vois. Travail du fer, ça va nous permettre de. Ouais, je te propose équitation. Équitation. Allez hop, je pars sur équitation. 8 tours. Ouais. À 2, ça ira vite. Par contre, ouais, plus de fric là, j'ai bientôt plus de fric. Je suis à 19, je perds moins 4 par tour. Va falloir faire l'échange là.
Tu pourrais pas me filer de la teinture? Non? Bah, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore de caravane. Mais non, mais on peut pas... mais on peut plus s'enfiler comme avant, non? Ah oui, mais non, on est obligé de faire des caravanes. C'est ça? Non, non, je pourrais t'enfiler si j'en avais envie. Tu vas le faire, hein? Hein? Non? Ok, bon. D'accord, j'ai compris. Non, mais c'est bon. Hein. Je vais rompre l'alliance directe. Hein. Bon. Accord propos. Ah, voilà, j'étais sûr que t'allais. Or, ah oui, tu comptes de l'or, ouais. Ok, bah j'accepte. Yeah! J'ai 3 de bonheur! Youhou! Moi, je suis resté à 7, ça me va très bien. Alors, t'es parti sur quoi, toi? Dans les En quoi? technologies? Bah, équitation. Ah Équitation, je ouais. pense que c'est pas mal. Oui, l'équitation, c'est bien là, pour le truc là. Allez, tour Le suivant. truc qui fait augmenter de façon exponentielle Toujours la plus. possibilité de déplacement des caravanes. Ah oui, toujours plus Je suis d'exponentielle. dans cette caravane. Oh non, pitié. Épargne-nous le chant, s'il te plaît. Parle-nous la guitare alors, hein. Je vois pas de quoi tu parles, d'abord. Absolument pas de quoi tu parles. Je veux Non, dire. tu vas pas, vraiment, 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 tu vas Non. pas. Absolument pas, non. Tu délires complètement, je veux dire. J'ai Bon, bref. du dossier sur toi, oublie pas quand même. Hein. Bon, c'était pas des dossiers, voyons. Non. Non. Il Non! est juste en train de Non! massacrer la musique, le mec, Mais non, non. Mais non, tu mais non. sais. Non, je plaisante, Dan Touplet est un super guitariste, je vous le conseille d'ailleurs. Regarde-moi cette mauvaise foi, le type. Bon, tu passes ton tour, Michel? Ah non, mais tu l'as déjà passé. En train de te faire un compliment là, je te signale juste comme Oui, non, ça. mais je sais, mais en fait, je sais que tu le penses pas, en fait. Non, non, je le pense. T'es sûr? Vieux sac. Célébration d'une fête du roi. Ah, super. J'ai la fête du roi. Je vais bifler les bifaces. Qui sont encore vivants, les saligots. Et pourquoi je peux pas me soigner? Et parce que le soin, c'est à chaque tour le Ah soin. non, d'accord, c'est bon. J'espère qu'ils vont pas. Ouais, je vais peut-être. Putain, ils font chier ce camp de barbares à la con là. Sérieusement. Ici, je vais faire un ouvrier, j'ai un guerrier dans 3 tours. Et j'ai bientôt plus de thunes. C'est bientôt la banqueroute. J'ai Ouais, décidé. pareil. Et j'ai une troupe d'archers de barbares qui stationne juste à côté là, même de mon gisement d'argent là. Ça va être chaud patate à les déloger. Alors, on n'a pas dit aussi les ennemis, ouais. Les civilisations qu'il y avait en face. Pour l'instant, on a trouvé juste les Japonais, les Arabes, les Pascal et les Indonésiens. Oui, c'est les Pascal, hein, on sait, mais on aime bien l'appeler Pascal le grand frère. Le Oui, Palenque. c'est... On sait même pas, c'est quoi comme civilisation ça en plus? Les Mayas. Ah oui, voilà, c'est les Mayas, c'est les Pascal, c'est pareil. Bon, ils vont vivre jusqu'en 1300-1400 après Jésus-Christ, après on va les éradiquer. Hein. Ouais, attends, faut pas exagérer, je veux dire. Ça, Il y a une faut pas que limite ça au vive trop, respect, quoi. faut pas que ça vive trop longtemps, ces merdes-là. Là. Alors, petite information, Learn to Play. En cliquant sur Information supplémentaire à côté du micro, tu as Démographie. Démographie, oui. Voilà. Et là, tu as le résumé de toutes les Ah des premiers. ouais, oui, bah oui, c'est le bouton que qui, c'est le panneau, l'interface qui s'active quand j'appuie sur F9 pour essayer de filmer, mon gars. Ça me fait chier. Alors, niveau 1, c'est moi? Je suis le premier? Population? Non, 343 000. c'est. Ouais, c'est toi le premier, ouais. Ah, génial, moyenne 201. Je suis Pire. Oula, pire premier en 45. PIB, un produit manufacturé. Produit manufacturé. Mais c'est quoi, produit manufacturé? Ça existe même pas en 920 avant JC, là. C'est quoi, Zélia? Moi, je suis 9e. Ah Par contre, ouais. on est bon dernier en territoire. 20 millions de tonnes, putain. Mais tu produis, hein. Je suis 3e niveau agriculture. 40, 44 millions de boisseaux. Le pire, c'est les Arabes. L'Arabie Saoudite. PNB, c'est produit national brut. 13 millions en or, ouais. Territoire, ouais. 400 000, 410 000 kilomètres carrés, soldats, 33 000 soldats, approbation. C'est quoi approbation? Aucune idée. Alphabétisation, ouais. Alphabétisation, je suis à 20%. Bon. Bon, Ah, oh, je me suis fait bifler par les barbares là. Alors, est-ce que si je fais ça, je les éradique, mais le problème c'est que je crève au prochain tournant. Je vais me barrer. Je vais me barrer, eux, ils vont soigner. Je suis un petit peu mal en point dans ce côté-là. De ce côté-là, pardon. oui, parce qu'en fait, l'un de tout play, c'est de défendre les mines du roi Salomon. Ouais, non, même pas. En fait, oui, si. Ouais, non, en fait, j'essaie juste de virer ce camp de barbares à la con.
fait chier depuis je sais pas combien de temps. Et je vais bientôt passer à 9 citoyens, je sais pas pour toi, mais. Je suis à 7, moi. Oh, pour une fois que je te dépasse là, que je suis plus rapide, ça fait plaisir. Bon, faudrait peut-être explorer un petit peu plus vers l'est, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Faut explorer plus partout, tout simplement, donc. Ouais. J'ai mon unité de. Oh merde, j'ai. Comment je perds 4 or, moi? Comment ça se fait, ça? Moi j'en perds 6. Ça c'est parce que c'est les unités, mon gars. C'est les unités. Je suis à 0, hein. C'est les unités. C'est les unités. Je vais aller déloger les archers là qui se la touchent depuis tout à l'heure, si je sais pas ce qu'ils font. Ah, les bifaces. Le biface m'a suivi. Mais il va se prendre une rouste, le biface. Je peux pas m'empêcher de rire quand, chaque fois que l'on plouplé dit biface, parce que juste avant de filmer les 50 premiers tours, on a eu de gros délires là-dessus, faut dire ce qui est. Ouais, c'est marrant comme nom, biface, je sais pas pourquoi c'est. Bref. C'est juste le nom des haches, tu vois, les haches en pierre, biface, ça se lance et ça fait très mal. Là. Exploitation de pierre. Mais tu sais, appelle-moi Learn, hein, tout court. Hein. C'est pour pas te faire chier. Je respecte tes viewers, moi. Hein. Non, mais on s'en branle, c'est bon, hein. Oh! Voilà. C'est bon, mais non, hein! Donc, les amis, si vous souhaitez un youtubeur qui vous respecte enfin. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les miens, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas eu de vidéo. Ah, bravo! Ah, mais ouais, carrément. C'est une honte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une honte monumentale. Putain, mais j'ai plus de thunes. Dans un tour, je suis en banqueroute, déficit. Moi, je suis déjà en banqueroute. T'as combien de... J'ai 0 or, moins 4. D'accord. Ok. Bon, ça va être chaud, alors. Hein. Mm-hmm. Écoute, pourtant, j'ai une fête du roi, là. Je veux dire... Y a pas moyen de prélever plus d'impôts, non? La torsionnaire, sans déconner. Quoi. Si, favoriser l'or, ouais, je peux. Non, mais j'ai que dalle en or, ça sert à rien. J'ai que dalle. Ah ouais, moi j'ai 6 or sur la map, la teinture et les pierres précieuses. Sur Dublin, j'en ai pas d'or du tout. Moi j'ai qu'un truc d'or, par contre j'ai pas mal de pierres, d'argent, beaucoup d'argent. Rotterdam, tu peux pas favoriser les truffes par hasard pour de l'or? Les truffes, fais voir. Truffes. Si. Alors, le mec il me dit, vous perdez de l'argent. Votre économie produit à l'heure actuelle 0 or au moins. Si votre empire atteint moins 5 de déficit, certaines de vos unités seront dissoutes de force. Je suis à moins 5 de déficit. Ouais, merde. Merde. Bon, allez, je vais aller défoncer. Oh, il y a des Pascal, il y a un groupe d'éclaireurs Pascal qui luttent contre des barbares. Moi, j'ai éclaté une unité d'archers barbares. Ici, je vais faire une ferme. Là, ils vont continuer à faire du cheval. C'est quoi ça? Ah bah mes guerriers sont prêts. Je vais pouvoir aller défoncer les bifaces là. Ah ouais, génial. J'ai éradiqué l'unité de bifaces qui me faisait chier depuis tout à l'heure. Bon. Il va falloir qu'on redresse les comptes, très cher. Et je passe le tour. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, j'ai plein d'argent là. J'ai 1, 2, 3... j'ai dû faire aussi pas mal de pierres, un peu de marbre. Ouais, j'ai du marbre ici. Pas mal de chevaux. Du bétail. Bétail très utile. Déjà 1, 2, 3, 4. Plus celui qui est là. Équitation. Vous perdez de l'argent. Ouais, sans blague. Équitation. On se fait quoi maintenant? On part sur quoi? Travail du fer? Je sais pas. Attends, je regarde. Ou poésie? La monnaie. La monnaie, allez hop. La monnaie, faire des marchés pour regagner de l'argent. Ouais, parce que là, niveau budget, c'est un petit peu compliqué en effet. Je viens de suicider un guerrier pour arriver à redresser les comptes. Oh mon dieu. Bon, je vais explorer vers l'est, moi, avec mon lancier là. Je vais exploser les barbares là qui font chier les éclaireurs pascalois là. Le problème, c'est que moi j'ai des cavaliers barbares qui arrivent dans tous les sens. Ouais, ah bon? Ouais. Ah ouais, putain, mais toi, ils sont passés... en fait, ils sont en espèce d'avance technologique de ton côté, les barbares, c'est marrant. Carrément. Alors que moi, ils sont encore au maillet, au maillet, qu'est-ce que je raconte, moi? Au gourdin, là. Au biface. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le terme que tu cherches depuis tout à l'heure, les bifaces. Oui, en fait, c'est ça, oui. Tout à fait. Tout à fait.
Bon, faut meubler, hein, le temps. Ah oui, nous avons en fait un objectif double dans cette série, c'est ouais. d'arriver à meubler l'ensemble des temps de chargement. Surtout que là, il a galère un petit peu à calculer l'ordi, le pauvre. Parce que nous sommes sur une carte type immense, en fait. Ouais. Et je crois qu'on a fait une connerie. Et c'est même pas moi qui héberge, hein, en plus. Hein. Et d'abord, c'est toi qui as créé la partie, espèce de vieux sec. Tout à fait. Ouais, ça t'apprendra. Bon, je vais construire une ferme ici, d'abord. Oui, s'il te plaît, tu me... Oula. Tu construis cette ferme. Construis cette ferme. J'ai un citoyen, je suis à 9. Ah non, c'est à j'allais dire à Bifas, à Rotterdam. Que j'ai... ouais, un guerrier. Bon, je vais essayer d'aller exploser les barbares. Là, j'ai 3 unités de guerriers. Ils ont intérêt à... Oh, des lanciers barbares. Va falloir que je fasse gaffe. Il y a de la semoule dans la friteuse. Je répète, il y a de la semoule dans la friteuse. De la semoule. Oui, oui, de la semoule dans la friteuse. C'est une phrase de code, voyons. C'est du morse. Ah, tu m'expliqueras après. Ouais, ouais, je t'expliquerai. Ouais, 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 là, il y a la bonne grosse semoule dans la friteuse. Donc, à l'heure actuelle, on perd 4 heures par tour de mon côté. Du coup, je ne peux produire aucune unité ni bâtiment qui me ferait dépenser donc, de l'or. Moi, c'est qui moins me ferait 5, hein. atteindre les 5 ors qui me ferait du coup perdre des unités. J'ai construit une caravane, mais comme un con, sans le caravansérail ou le truc machin bidule, là, le... comment ils appellent caravansérail, ça déjà caravansérail. Voilà, caravansérail. Je ne peux pas atteindre la première civilisation qui est les Mayas afin de gagner de l'or. Ah, bravo. Je suis dans la mouise. Et t'es fier de toi? Oui, très. Bah, bravo, je veux dire, là c'est... Là, c'est pas moral, hein. Franchement. Non, franchement, entre nous. J'ai 8 que vous. T'auras l'hôtel de la monnaie qui va t'aller bien pour toi, pour toutes les ressources que t'as, qui vont te faire gagner plus d'or par ressources exploitées. Ouais, ça c'est bien ça. Par contre, je suis à 1 de bonheur là, ça va pas trop trop le faire là. Ah, moi je suis à 6. Par contre, il faudrait moins 6. Oh putain, c'est là, c'est le caca moelleux là. Vous perdez. Genre, il te le rappelle, tu sais, vous perdez de l'argent. Caravansérail, tu crois que je peux le faire ça? Non, pas encore, ça sert à rien. Ou alors un petit colisée, ou alors un cirque, 4 tours. Dublin réclame du crabe. Ah bah, ils ont des goûts de luxe, hein, écoute. Carrément. Petite écurie, sinon. Du coup, moi de mon côté, je rempardise ma capitale. J'hésite à me faire un cirque. Le cercle, ça apporte du bonheur, il me semble. Ouais. Ou alors un colisée, mais le problème, le colisée, c'est un entretien, quoi. C'est ça. Je vais me faire un cirque. Allez, on va faire plaisir à la populace. La populace te le rendra. C'est bon, j'ai dézingué une unité de barbares. Maintenant, faut que je m'attaque aux lanciers barbares. Les barbares. Et les barbares dans toute leur splendeur. Je vais donner rendez-vous au camp de barbares ici, et je vais protéger la mine de Salomon, là, ou je sais pas quoi. Il faudrait faire une ville pour aller bien. Ouais, bah tranquille, je vais faire... Allez, tu paries sur quoi, au niveau des noms? Allez, quoique, on peut les renommer, les villes. Oui. Ouais, mais ça sert à rien, je vais laisser le nom des villes néerlandaises. Oui, c'est marrant. C'est mieux. Il y a quoi comme ville super connue, hein, à part Rotterdam, Amsterdam Il y a une certaine rue, mais je ne la citerai pas. Ouais, non, d'accord, c'est bon. c'est vrai qu'à part Rotterdam et Amsterdam, là, perso, je vois pas d'autres villes. On va voir, hein, on verra. J'ai hâte de voir. Ça nous fera un petit peu de culture, nom de Dieu. On va voir ce qu'ils font un petit peu à côté de Pascal, là, Palenque, Tikal. Édimbourg. Oui, en fait, Édimbourg, on l'a pas dit, t'es celte, mais ça équivaut aux Écossais. C'est ça. Théoriquement, normalement. Théoriquement. Bon. C'est plus l'Irlande, mais bon, c'est pas... Ils sont sur une prairie. Je vais prendre choc. Ils ont pris cher. Hein. Ouh, oh, putain, mais non. Allez, hop, j'ai chopé le camp. Par contre, il y a une deuxième unité barbare ici. Non, mais à 2 contre 1, ils peuvent rien faire. Oh putain, des cavaliers. Je suis dans le caca. Oh, des cavaliers. Oh, des cavaliers. Ouais. Oh non. Dans ma ville aussi, putain. Oh, des cavaliers là-haut. Oh, je t'avais dit de laisser des unités près de ta capitale. Non, mais j'en ai, hein.
J'ai marché, mais mon lancier, je vais le refaire revenir finalement. S'il se fait pas défoncer par l'autre unité de lancier barbare. Par contre, à Rotterdam, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Je vais faire revenir ici, ça vaut pas le coup de les laisser. De toute façon, au pire, la mine du roi Salomon, c'est qu'elle est là, voilà quoi. Il faut juste éviter que le Tipia qu'il y aille là. Non, mais en fait, c'était. je voulais juste éviter que. Je voulais juste éviter que. Ben, que Pascal y aille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah putain, qu'est-ce qu'on est con. Oh là là. Bon, ça se développe bien, hein. Je vais être à 10 citoyens là. Pourquoi j'ai gagné de l'or? Ah bah ouais, j'ai niqué un camp de barbares. Super. Super, super, super. Je vais avoir un sire qui va me faire du bonheur. Toujours plus de bonheur. Du bonheur. Toujours. Donc je sais pas si t'as regardé un tout petit peu le classement des civilisations, mais on peut voir que l'équipe numéro 6 est en tête avec 413 points. Ouais, pendant que nous on est derrière, on est les derniers avec 250 points. Wouhou! C'est la teuf. Moi je te râle. Ah non, c'est. Oh, pour une fois que je suis premier, putain. Ouais, moi je suis bon dernier, ouais, avec mes 120 pauvres. Ah, vieille merde. Ah là là, vous voyez, quand on joue avec des mecs qui savent pas jouer, bah ça donne ça. Hein. Vous retenez les gens pour les épisodes suivants, vous retenez, hein, vous notez tout ça. On arrive bientôt à 0 avant Jésus-Christ. Jésus va bientôt naître. Attention. Attention, attention. Rotterdam, il y a des cavaliers qui pénètrent sur mon territoire une fois. Pas de mauvais jeu de mots. Je n'en ferai pas. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué comment je me retiens quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je te crois pas là. Allez, une petite ferme ici. Je maxe la bouffe. Oh putain, ils m'ont détruit un truc de bétail là. Est-ce qu'ils peuvent les attaquer à distance? Non, ils peuvent pas, ils sont juste trop loin. Je vais attendre qu'ils se rapprochent, ces vieux sacs. Par contre, eux, je vais les faire se ramener. Oh, mais non, il y a des bifaces qui en spawn. Non. Des bifaces en spawn à côté de ma ville. En plus, c'est un camp de bifaces, tu vois. C'est encore au-dessus, tu vois. Ah, oh, fait chier, quoi. Déjà, je vais devoir défendre Rotterdam. Là, je vais devoir me farcir eux. Je vais devoir réparer mon truc. Oh, c'est un peu le caca moelleux, là. Il y a de la semoule dans la friteuse. Je répète. Et je viens de postiner sur mon écran. S'il a eu. Non, rien, je t'écoute juste, en fait. Le mec, il vient de cracher un truc, quoi, sur ça. Sur mon écran, oui. Ah mais je comprends maintenant pourquoi t'as pas besoin de loupe. Ouais. C'est ça. Marre-toi. Espèce de gros dégueulasse. Va. Un vieux sac. Ah, on s'aime bien. Tu fais des archers composites? J'ai des archers composites, mais je n'en fais pas. Ah ouais, d'accord. Je fais le truc pour les caravanes. T'as des murailles? Oui. Vas-y, squatte les truffes. Où ça? Le cavalier là. Ah, il squatte les truffes. Le sac. Il squatte les truffes. Je vais choper le marbre. Par contre, les lanciers, ils commencent à venir me coller là. Ça va pas. Ah, je vais reculer mes ouvriers. Oh putain, mais eux, ils me défoncent tout. Ah, ils seront bientôt plus de ce monde. Le seul truc qui va être problématique, c'est qu'il va falloir que j'aille réparer toute cette merde là. C'est ça. Il faut que je ramène mes lanciers. Oh là 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 là, je vous raconte pas la merde. Bon, ici je recule. Ok, bah vous allez dormir. Hein. Allez, promouvoir une unité. Ah, génial. Exercice. C'est parti. Tour suivant. Oula, petit freeze. Bon, les bifas, j'espère qu'ils vont rester dans leur camp. Les lanciers, ils vont se ramener, ouais. Bon, par contre, les cavaliers, c'est chiant, là. Je vais devoir tout réparer. Ils foutent le bordel. Le bordel. C'est pour ça que moi je laisse des unités près de ma ville. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais moi le truc c'est qu'évidemment pendant genre 20 tours il y a rien qui se passe et puis évidemment au moment où j'ai rien, bah ils se ramènent quoi. C'est évidemment. Surtout au moment où tu commences à filmer qu'ils se ramènent en fait. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça qui est drôle. Ouais. T'as voilà, pensé, c'est je te dis, le jeu est contre moi d'ailleurs là, s'il pouvait se manier le jeu serait cool. Ah bah il y a du monde à charger hein. Ouais, c'est les Celtes là qui, putain, qui prennent toute la bande passante. Là. Nous ne sommes pas tout seuls. T'as fait des murailles toi? Oui.
Oui, c'est un truc gratuit en fait, les murailles, c'est gratuit, ça mange pas dehors. Ça mange, d'accord, ok. Voilà, c'est tout, c'est tout. Yanamu, oh, t'as cessé de me fournir de la. Oh putain, il m'a encore pété des fermes. Eh, mais. On Ce va qu'il y a de bien, abandonner. c'est que j'ai les bruitages de chez toi en fait, tu vois. Oh, mais t'es sérieux? Mais il est pas mort, quoi. Il m'a pourri tout mon truc. Merde, j'ai fait le con là. Je crois. Et ils me suivent. Ils T'as me fait suivent, quoi? les salauds. Au Non. fait, chaque fois qu'ils pillent, ils reprennent de la vie, hein. Ouais, bah c'est ça le truc en fait. C'est ça le C'est truc. bizarre, il me manque une de tes unités d'ouvriers. Putain, ils vont tout me détruire. Ils viennent juste me faire chier. J'ai trois de malheur. Putain, c'est bon, c'est la débandade là. C'est le début de la fin. Même temps, c'est que le début, ça peut pas être, c'est forcément le début de la fin. Putain, je vais ramener des mecs. T'as moins 7 or par tour. Comment tu le sais, toi? Menu portail diplomatique, hein, quand je Putain, clique oh. sur toi et que je veux faire un échange, Putain, mais voilà je quoi. suis dégoûté. En plus, regarde, j'ai fait un cirque pour avoir du bonheur. Je me tape moins 3 de. Enfin, 3 de malheur. Non, c'est pas normal! Attends, là, je veux dire. Les citoyens sont mécontents. Puissance 11, cavalier 12. C'est mieux des cavaliers que des lanciers, je suppose, oui. N'oubliez pas que t'as pas d'or pour l'instant. Donc tes unités vont se faire détruire petit à petit. Comment je fais alors? Je construis quoi? Mais des murailles. Ah merci, ouais. Ben Non mais c'est pas con en plus. non, c'est pas comment ça augmente la puissance de ta ville. Ouais. Bon, je vais virer ces cavaliers, je vais tout réparer, comme ça sera fait. Et ensuite, je vais faire face au biface. Pardon. Jeu de mots pourri, spotted. C'est Bon. ça, c'est ça, c'est ça. Tu rajouteras le bruitage, hein. Je te fais confiance. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a les cavaliers qui sèment la zizanie dans mes rangs que j'ai du malheur, en fait. C'est pour chat! C'est tout à Et fait oui, chat! t'as arrêté de me fournir de l'or parce que justement ta truc elle s'est fait piller, quoi. Bah oui! Ah bah oui! C'est pour ça! C'est pour ça! Résultat, plus de fête du roi, c'est l'anarchie, tout le monde va mourir. Bon, ça passe là? C'est quoi ce délire là? C'est les temps de changement. T'as 71 tours pour passer niveau 4. T'es citoyen dans l'autre ville. C'est pas normal ça. Bon, alors. Oh putain, le sac. Ah, le sac. Si tu pouvais mourir juste dans l'abysse des enfers de. C'est bon, je l'ai démoli. Choc 1. Par contre, toi, tu vas te soigner. Toi, tu montes. Vous remontez. Allez hop. Pour monter en haut, soutenir l'effort de guerre. Ah oh, putain, je vais devoir tout réparer quoi. J'ai du boulot là. J'ai plusieurs tours de réparation à faire. Et je suis toujours à moins 3 de. Enfin 3 de malheur là. J'ai mes lanciers. Putain, j'ai les lanciers qui. On fait quoi au fait en technologie? J'ai pas regardé encore. Guilde, travail du fer. Ouais, drame et poésie. Ou alors ingénierie. L'ingénierie? Allez. Putain, ça divise par deux le nombre de tours, quoi. Eh oui. Je te propose de passer le tour. Il prend son temps, Pascal, quand même, pour jouer, je remarque. Ah ouais, tellement, ouais. Le problème, là, putain, faut que je répare tout. Ça m'énerve de voir du mécontentement, là. Ah Oh, regarde, en haut à droite, qu'est-ce que t'as là-haut? Encore des lancers non barbares mais qui vont oui, je venir, t'ai sans dit, doute. ils viennent squatter, ils ont vu que c'était la fête ici, ils se sont dit, ouais, vas-y, on va se ramener. Bon, alors. Alors heureusement, j'ai des unités qui migrent là. Des unités du sud. Bon. Tu n'as pas honte d'envoyer des sudistes au nord? Ah, je suis comme ça, moi. J'aime bien aller à l'encontre de la tradition. Même si c'est absolument pas une tradition. Bon, bah ça va être l'orgie ici, hein. Vous perdez de l'argent. Ah bon? Oh, ils viennent. Oh, ils sont gentils, ils sont venus directement vers moi. J'apprécie le geste. J'apprécie le geste. Oui. Attends, oula. C'est un petit peu buggé ça. Ok, c'est bon. Décimé.
tu répares, toi tu montes, c'est jamais, toi tu restes là aussi. J'ai bientôt un ouvrier qui sera prêt, c'est bon, j'ai réparé là, j'ai plus que deux trucs à réparer, en un tour c'est plié. Ok, c'est bon. Je vais avoir moins de mes contentements, logiquement. En plus, j'ai fait un cirque, s'il te plaît, quoi. J'ai fait un cirque. Par contre, on peut se rééchanger de l'or. C'est vrai ? Bah, normalement, ouais. Et logiquement. Ah oui, 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 on peut se rééchanger de l'or. J'ai tout à fait, Jean-Pierre. Promotion d'unité. Ah, mes archers. Super. Précision. On va prendre précision. Ils sont là, ils protègent. Ah, j'ai un de bonheur. Par contre, je perds toujours de la thune. Bon, c'est pas très grave. J'ai les remparts dans un tour. J'ai bientôt. Oh, des cavaliers, les mecs, quoi, s'il vous plaît. Bon, 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 bon. Bah écoute, il va y avoir du massacre. Et les massacrés. Bon, on arrive à 30 minutes. Je pense qu'on passe le tour et on se laisse là, non? Ouais, je pense aussi, ouais. Ah, parce que ça va me peser 140 000 gigas, là, s'il te plaît. Ah bon? Moi, j'en suis qu'à 800 mégas. Ok, c'est bon, hein. On n'a pas les mêmes valeurs. Je veux dire, tu tournes avec des logiciels, on sait pas d'où ils sortent. Je veux dire, voilà, quoi. Forcément. Ah, hein. Bah. Moi, je tourne en AVI, moi. AVI, quoi. Non compressé. Oui, oui. Bah, en fait, c'est parce que j'ai pas le choix, si tu veux. On l'a bien compris. Non, mais je déconne, c'est en meilleure qualité à vie. Puisque forcément, c'est pas compressé. Alors que si tu compresses déjà du MPEG ou ce que tu veux, ça va recompresser encore une fois et tu repères en qualité. Donc voilà, forcément, tu vois. Voilà. Ah, je peux choisir une doctrine. Bon, on va se quitter là-dessus. Par contre, ils se sont barrés en me faisant des dégâts. Les salauds. Vous allez vous soigner et vous allez vous soigner. Non, je peux pas les toucher. Ok. Bah, ici, une petite ferme. Parfait. Et là, on va aller là-bas faire une carrière. Oh, bah, des barbares qui sont venus tâter un petit peu de ma lance. Voilà. Hop, je les ai décimés. Bah, c'est bon. Je choisis une construction et puis on se quitte là-dessus. Hôtel de la Monnaie. Hop. Rotterdam réclame du sucre. Alors maintenant on va faire pouvoir collectif, je pense, non? Niveau doctrine. Moi franchement je viens de prendre pouvoir collectif, oui. Ouais. Du coup j'ai eu un troisième colon, tu vois, il est déjà en train de se déplacer. Ouais, d'aller fonder ma nouvelle ville. Ouais, je vais y aller aussi. Bon bah je te propose qu'on se laisse là-dessus. Hein. Ok, ça marche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en compagnie de cette espèce de gros guignol là. J'espère surtout que vous avez apprécié l'énergumène qui fait les vidéos, parce que sans déconner. Ah, on aime bien s'insulter comme ça. Bon allez, sur ce, à la prochaine et portez-vous bien. Ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao les gens.